Review SFX Revoltech avec Jason et les Argonautes de 1963. Donc c'est l'armée de squelettes, première version. On a un magnifique stand, alors on va l'enlever, il a un petit picot sous le pied pour le tenir. On voit les squelettes qui sont en train de s'animer et s'élever de terre. Donc lui ne bouge pas, lui, hop, il a quand même un bras ici au niveau de l'épaule qui bouge. Et puis là, bah, la tête est fixe. Bon voilà, il bouge un petit peu parce qu'il est attaché par un picot en dessous. On a les ruines, donc la terre un peu boueuse, vraiment très beau travail. Derrière, pour une fois c'est bien, vous avez quoi de tout ranger, le deuxième bouclier. Parce que comme je vous disais, c'est la première version, vous avez soit la pieuvre, soit le lion. Vous avez le bras simple, puisque le bras qui porte le bouclier a un point d'attache directement au niveau du poignet. Donc vous pouvez voir voilà, la deuxième attache du bouclier dedans, les différents jeux de main, et la main qui sert tout simplement pour la lance. Donc ça c'est vraiment sympa d'avoir tout intégré, ça passe bien. Bon là on voit la lance qui dépasse du stand, mais ça va. Ce squelette dispose également de l'épée, le bouclier comme je vous le disais. Alors il est un petit peu lâche parce que c'est vrai que les articulations sont petites, en fait ne sont pas à cran. Donc ça a tendance quand même à pas mal bouger. Ici, voilà, on a deux au niveau de la colonne. Ici à la base du cou, mais encore là-haut. La mâchoire, là, ici. Hop, voilà, ça s'était décroché. Comme cela. Et puis le poignet. Un personnage encore bien fait, avec comme ça la teinte gris, plus ou moins foncée, un petit peu de blanc. La tête sublime. On peut voir les attaches au niveau du crâne. Vraiment très très bien fait. Le bassin, toute la colonne. Il y a vraiment un sublime travail très très bien représenté. Normalement c'est un personnage qui fait peur. Mais quand on le regarde, on a plus l'impression qu'il est en train de se marrer en permanence et se foutre de notre gueule. Il est vraiment super rigolo. Je vais vous laisser quelques photos avec. Vous allez voir, il y a moyen de faire des gros détournements. Soit ainsi ou juste avec sa tête. Il y a de quoi s'amuser. Allez, à plus !